150 ans et autant d'années de créativité, de génie horloger et d'élégance pour cette maison helvète. À l'occasion du salon Watches and Wonders 2024, Piaget célèbre son 150e anniversaire en poursuivant sa démarche de réédition des signatures les plus iconiques de ses montres de haute joaillerie, initiées en 2023. Les montres manchettes révolutionnaires et hypnotiques et le Swinging Sautoir, dévoilé en 1969, décliné en trois modèles précieux, dont deux sont des éditions uniques dont les cadrans peuvent être portés sur bracelets de satin. Variation contemporaine d'une des signatures visuelles de Piaget, star des années 60 et 70, voici le Swinging Sautoir version 2024, en or 18 carats, au cadran d'opale blanche et mouvement à quartz dans un boîtier de 29 mm. Pour ce modèle, serti de diamants, les artisans ont donné une forme trapèze aux angles arrondis inédites, au cadran, et façonné des chaînes torsadées à la main pour le soutenir en transformant de simples fils d'or en maillons. Coup de projecteur sur une icône du style Piaget, la Piaget Polo 79. C'est en 1979 que Piaget a dévoilé cette montre qui allait définir l'esprit des années 1980 et qui revient aujourd'hui à l'occasion du 150e anniversaire de la maison. 45 ans après sa première apparition, ce garde-temps historique reste dans l'air du temps, en phase avec l'esprit de la maison Piaget. Le motif créé par une alternance de maillons polis et brossés se poursuit de manière fluide du bracelet au boîtier jusqu'au cadran. Épousant le poignet comme une seconde peau, le bracelet réalisé dans les ateliers Piaget semble avoir été sculpté dans une seule pièce d'or. À presque 70 000 francs suisses, Piaget Polo 79 revient à la plus pure expression du design original, bien que quelques mises à jour subtiles aient été apportées. Le calibre à quartz a été abandonné au profit du calibre 1200P1 ultra plat, à remontage automatique, fabriqué en interne, dans un boîtier légèrement agrandi à 38 mm. Pour célébrer son 150e anniversaire, Piaget va signer l'accord parfait entre les godrons solaires de la Piaget Polo historique et l'allure casual chic de la Piaget Polo Date iconique. La maison helvète présente des éditions limitées de 42 et 36 mm en acier et bracelets en caoutchouc aluré. Une première pour la 36 mm qui seront éditées chacune à quelques rares 300 exemplaires. C'est une réalisation fascinante, et elle était encore une fois sous les projecteurs au Watches and Wonders 2024, l'Altiplano. 67 ans après avoir inventé son premier calibre extra plat, le 9P, et 6 ans après avoir présenté la montre la plus plate au monde en 2018, l'Altiplano Ultimate Concept, Piaget repousse encore une fois les limites de l'ingéniosité avec la Piaget Altiplano Concept Tourbillon. L'Altiplano Ultimate Concept Tourbillon a toutes les qualités attendues d'une montre conventionnelle. C'est son épaisseur de 2 mm et son tourbillon annulaire qui lui offrent une dimension tout aussi extraordinaire que son prix, tournant autour des 625 000 francs suisses. La position des éléments de la montre a été conservée, le cadran affichant les heures et les minutes est toujours légèrement décentré comme sur le modèle précédent. Le tourbillon est situé à 10 heures et l'indicateur des secondes gravé sur son anneau. La contrainte la plus importante de toutes était la minceur.
Tous les composants devaient tenir dans 2 mm. Avec le même diamètre, la même épaisseur de boîtier et des composants de la même taille, la difficulté tenait à l'insertion d'un tourbillon dans un espace déjà rempli. Finesse et ingéniosité, le résultat est toujours aussi époustouflant.